chaîne, comment ça va? Ne faites pas attention, j'ai un peu bougé la caméra parce que la fenêtre normalement elle est là. C'est un peu le bazar. Aujourd'hui, comme vous m'avez demandé sur Facebook, je reviens dans un haul action. Oh là là. Ouais, j'aime bien. Alors, petit tuyau à la caisse de mon action. Ils disent, oh, vous pouvez envelopper. Donc moi, j'enveloppe tout. Pourquoi? Parce que quand je vais avoir des colis à envoyer, ou même si vous voulez acheter des choses au niveau pour faire vos cadeaux de Noël, envelopper du verre ou quoi que ce soit, eh ben au moins, vous avez du papier pour envelopper, gratos. Tout ce qui a le goût de gratuit, ça c'est merci Lola, les vlogs de Lola. Alors, on va commencer. Je ne l'ai même pas déballé. Ça serait bien que je déballe pour vous le montrer mieux. Il y a plein de boîtes à bijoux. De toute façon, c'est très régulier qu'il y a des boîtes. Hein. Boîte à clés, boîte à bijoux, boîte à thé. Il y a plein de choses. Et il y a une boîte qui m'a interpellée. C'est celle-ci. Donc en fait, voilà, je viens de la déballer. Donc à l'intérieur, on a un petit truc, vous savez, pour gel de céleste. Hop. Donc pourquoi j'ai pris en fait cette boîte-là? Parce que vous savez, toutes mes petites boucles d'oreilles comme ça, là, je les laisse sur le carton. Et parce que ma boîte à bijoux que j'ai en plastoc, elle est pleine. Et comme je veux renouveler au fur et à mesure, je me suis dit que j'allais mettre toutes mes petites boucles d'oreilles dedans. Et vu qu'il y a un miroir, et ben en fait, c'est plutôt sympa. Et là, ah bah tiens, il y en a un autre. Ça, ça a une utilisation, j'ai vu sur internet, mais je ne me souviens plus pourquoi il les réutilise. Moi, c'est rapoubé, je sais. Donc là, vous pouvez mettre ce que vous voulez aussi. Donc moi, ça sera peut-être mettre mes bagues du jour. Donc ça, je vais le poser sur mon bureau. Alors au niveau du prix, je me demande si c'était pas 2 euros. C'était vraiment, vraiment pas cher. Alors, je ne le trouve même pas. Bah, elle ne m'a pas compté, madame. Ah, c'est que je suis retournée avec frais pour le papier cadeau. Ah mince, et puis j'ai plus, je sais plus, mais je crois que c'était 2,69€ celui-ci. Oui, j'y suis retournée une deuxième fois parce que j'avais oublié le papier cadeau pour l'anniversaire de ma soeur. Ensuite, vous voyez, un petit truc enveloppé là-dedans. Et bien ça, je le garde au chaud, je vous le montrerai peut-être plus tard. Ça serait si je continue à faire ma géocaching pour Noël. Hop, je pose. Ensuite, j'ai pris plein de choses. Encore. Alors, la première chose que j'ai pris, c'est un carnet qui se présente comme ceci. J'aime beaucoup les carnets. Celui-ci, je le trouvais plutôt sympa. Hop. Voilà. Avec un élastique. Et l'intérieur, c'est comme ça. Celui-là, il est très joli. Il y a des petites plumes dans le bas. Il est vraiment sympa, lui. Hop. Donc, je vous montre. Puis, vous verrez par la suite. Je le remettrai comme il faut tout à l'heure dans le papier. J'en ai pris un autre qui est rose comme ça. C'est pas écrit la même chose. Voilà. Et ces petits carnets, ils étaient à combien? Écoutez, vous savez quoi? Je vous mets tout dans la barre d'infos parce que ça me saoule en fait de chercher les prix, même pour vous, ça doit être pénible. Ensuite, j'ai adoré. Et là, du coup, bien évidemment, il y en a pour vous. J'en ai pris 3 pareils, donc je vais vous montrer. Donc, bien évidemment, je vous ferai des petits concours comme ça. J'aime bien faire sur Facebook, sur Instagram. Voilà, j'ai adoré, regardez-moi ça. J'adore ces ours-là. Il est Teddy, j'adore. Il est trop chou avec le petit vaporisateur de parfum. Enfin, elle est trop mignonne. Et en fait, c'est un agenda, donc à spirale, où vous allez retrouver, bien évidemment, tous les mois, ça se présente comme ça. Voilà. Donc, j'en ai pris 3. On reverra ça plus tard. Vraiment pas mal. Ensuite, j'ai trouvé des petits papiers comme ça. Alors, moi, j'y connais rien, tout ce qui est papeterie et tout. Je trouve ça beau, mais j'y connais rien. Et d'ailleurs, j'ai lancé un post sur mon Instagram parce qu'en fait, je voudrais un journal intime.
pour diverses raisons, hein, et en fait, donc j'ai une abonnée, Elisabeth, qui s'y connaît vraiment, qui m'a donné alors un site où il y en a, mais ils sont trop beaux, quoi, en cuir, enfin, vraiment, j'adore, donc je vais voir ça sérieusement. Et là, en fait, j'ai trouvé ce truc-là, et c'est quand je vous envoie des colis où j'ai pas de papier sympa à vous mettre, ça fait bizarre, là, on voit, c'est tout noir, à vous mettre un petit mot derrière, et j'ai trouvé que c'était pas mal. Alors, c'est je pense pas que c'est vraiment l'utilisation, normalement, hein, vous voyez. Mais moi, je vais en faire comme ça. Ça s'appelle comment? Bloc de papier à dessin. Ben, moi, ça va être plus pour vous mettre dans les colliers qu'on l'envoie. Ensuite, j'ai trouvé un autre agenda. Vous allez me dire, elle est folle avec cet agenda. Mais ouais, j'adore ça. C'est un truc de dingue. Hein. Celui-là, il est plutôt pas mal. Avec le petit porte-clés. Bon, ça, on peut l'enlever. C'est ça qui est bien aussi pour celles qui n'aiment pas. Et moi, je sais que je l'enlèverai personnellement sur celui-ci. Autant l'autre, je l'ai gardé ou que j'ai ma fée clochette. Que là, je vais le... Alors, celui-ci, il est pour moi, bien évidemment. Parce que j'en ai besoin aussi quand je vais bosser au niveau syndicat. Il est trop beau, trop, trop beau. Regardez-moi ça. Il est vraiment super. Donc, le planeur. Donc, ça se présente comme ça. Ça, c'est en plastique. Il y a plein de papeterie à Action. De toute façon, c'est vraiment top. Et ça peut faire, ben, je veux dire, un petit plus. Je ne vais pas vous dire, alors les agendas en cadeau de Noël, voilà quoi. Mais des petits carnets comme ça, ça peut être sympa. Ça peut faire un plus dans vos cadeaux de Noël. Alors, c'est vrai que je vais peut-être me noter et vous faire une vidéo, en fait, idée de cadeau de Noël. Ça serait plutôt sympa parce que ça, ça peut en faire partie aussi. Donc, si vous êtes intéressé par une vidéo comme ça, je vais regarder ce que j'ai moi, ce que j'ai acheté là des derniers mois, qui pourrait être une idée de cadeau de Noël. Et je vous ferai cette revue-là. Et pourquoi pas? Je trouve que c'est plutôt une bonne idée, Sandrine. Ensuite, j'ai pris mes cartes pour Noël. Oui, je suis déjà en avance, mais on est quand même en octobre maintenant. Hein. Et j'ai pris mes petites cartes à Action. J'en ai 10. Elles sont vraiment plutôt sympas. Voilà, il y en a plein de sortes. Après, pour vous aussi, mais pour moi, parce que je veux aussi tester, j'ai pris plusieurs masques. Attendez, que je répartis comme il faut. Tac, 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 tac. Voilà, ça, ça et ça. Alors, ça, c'est Eve de Rêve qui m'en avait envoyé dans des colis. Ce sont des masques séparés. Donc, il y en a un apparemment à la rose et l'autre, je ne sais pas quoi c'est. Je ne sais pas. Donc, ça se détache à cet endroit-là. Et puis, vous pouvez, voilà, c'est unidose. Donc, je vous en ai pris un aussi pour vous que je ferai en concours. Concours vite fait, hein. Ensuite, j'ai pris ce masque-là, où là, c'est amande et abricot, on dirait. Donc, c'est un anti-stress, pareil, c'est en deux. Donc, idem, hein, j'en ai pris aussi un autre pour vous. De toute façon, j'ai pris en double. Et là, c'est à la lavande et au jasmin anti-stress, j'ai hâte de tester. Là, j'ai plein de masques. C'est une abonnée, Moyetti, qui m'a donné la passion des masques, je crois, parce que j'en faisais pas autant. Mon amie aussi, Gracia, qui en fait énormément des masques. Là, franchement, c'est bon, on y va. Moi et Mamounette, là, les masques, on y va. Donc, c'est bien, comme il y en a deux, Mamounette, elle va pouvoir tester aussi. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle me donne son avis, surtout que par rapport à son âge, je sais qu'aussi il y a des femmes de son âge qui me suivent, donc ça peut aussi vous donner un ordre d'idée. Donc bah, je posterai une petite photo comme ça, puis je lancerai un petit concours ouvert, je laisse une semaine, et puis après, voilà. Donc à tester. Ensuite, pareil, que je mettrai avec le masque, j'en ai pris un pour moi, je ne sais pas ce que ça vaut encore, et j'en ai pris un pour vous, je les mettrai aussi, je pense, avec le masque. C'est un baume à la vanille. Moi, j'adore les baumes à lèvres. Hein. J'en ai je ne sais combien, parce qu'en fait, j'en mets partout. Sur ma table de nuit, sur mon bureau, dans mes tiroirs, dans ma voiture, dans mon sac. J'en ai partout. Parce qu'à un moment donné, quand j'ai plus mon rouge à lèvres, je sens un inconfort. Allez, je m'en badigeonne. Après la douche, je m'en badigeonne. Avant d'aller au lit, je m'en badigeonne. Enfin, voilà, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, celui-là que j'ai le mieux en baume à lèvres, c'est le Bariéderme de Uriage, ou vraiment qui me répare les lèvres. Mais je ne le retrouve plus. Il faut que je le retrouve, parce que bon, hein, quand même. Ensuite, c'est Lily pourtant qui aime bien Playboy. Et là, en fait, avec Fred, quand on y était, j'ai senti celui-ci et j'ai adoré. C'est un effet un peu pêche poudrée. Je suis nulle en description. Hein.
24 heures parfum déodorant, zéro aluminium. Voilà. C'est tout nouveau. Mais j'ai bien aimé l'odeur, j'ai trouvé ça sympa. Alors je suis tellement habituée à Dove que ce qui est quelque chose de frais, Dove, et ça c'est plus parfumé. Je vais quand même tester, je verrai, sinon je me mettrai style en parfum comme ça, pourquoi pas. Donc ça c'est pareil, hein, ça peut faire aussi une idée à mettre dans un petit truc que vous pouvez composer par vous-même. Vous voyez, les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, vous pouvez prendre des masques, le baume, vous l'enlevez de l'emballage, vous pouvez acheter un petit panier ou un petit truc en verre, mettre tout ça dedans, envelopper, c'est des idées. Mais cette vidéo-là, on va en reparler, je vais la travailler. Donc voilà. Ensuite, bien évidemment, j'aime énormément tout ce que j'ai pu acheter au niveau des habits chez Action. Je vous ai déjà dit, moi je prends en taille L, je fais un 40-42 et j'ai pris deux bas, j'ai pris des pyjamas, j'ai pris un pull, j'ai pris ça fait un peu pull long, vous savez la grosse étoile que j'adore. Voilà, donc là j'y retourne maintenant pour voir ce qu'ils ont parce que c'est pas cher et j'aime bien. Là j'ai pris un autre bas, donc ça c'est des bas que je peux mettre vite fait quand j'en ai, je suis en repos et que j'ai pas envie de m'habiller. Et ce bas-là, il y a des étoiles, il est gris, donc il y a une ceinture au milieu, alors, dans les 6 euros, hein, voilà. Donc j'ai pris ce bas-là. Ensuite, je n'ai pas ouvert, j'ai pris deux hauts, vous voyez, alors je vais en ouvrir un, de toute façon je vais les ouvrir. Et un manche court, il n'y avait pas un manche long, mais je me dis, voilà. Avec le bas comme ça gris, puis j'en ai deux autres, des trucs assez sympas, cool. Voilà, bon, c'est très léger hein, par contre. Hein. Donc là, j'ai pris en taille, et j'ai pris en quelle taille? L, j'aurais peut-être dû prendre en taille M. Il a un petit peu large mon gars, mais bon, hein, pour rester à la maison, ça va le faire. Quoique, si, ça va le faire. Il est plutôt sympa, c'est un rose poudré, donc il y a écrit Love, Today, Worry, Yesterday. Voilà, il est très fin. Donc, je l'ai pris en rose poudré. Je l'ai pris en gris. Je vais vous le montrer aussi. Il y a un de ces soupes sur le lit. Ça change. Bon. Voilà. Courte avec le petit revers de la manche. Même pour celles qui veulent faire du sport. Hein. Celui-ci, c'est Don't Be Basic. Il pue, il va aller au lavage mon gars. Toi, hop, on va se mettre à laver là. Hop, voilà. Juste pour vous deux, ça va être plus... Alors le t-shirt 5,15€ et le pantalon 6,99€. Voilà. Ensuite, j'ai racheté, et là j'ai pris, il n'y en avait plus que 3, je les ai pris parce que j'adore, je vous les conseille. Des enveloppes bulles, mais alors elles sont superbes. Regardez, elles sont colorées. Il y a des petites comme ça, il y en a deux, et deux grandes comme ça. Et vous avez ici les étiquettes à coller pour mettre l'adresse. Mais elles sont vraiment super mimi. Donc il y a ce coloris-là, dans mon action, hein. Il y a celui-ci. Et du coup, j'envoie mes palettes, et puis quand je vais avoir tous les petits cadeaux, comme là, les masques, les trucs, et ben, je vais envoyer avec ça. Et j'ai pris celui-ci. Après, ben, vous mettez ce que vous voulez dessus. D'ailleurs, j'ai pris pour mes envois... des petits trucs qu'on peut coller, c'est pour Noël, mais vous pouvez aussi les mettre hein, sur vos cadeaux, et je trouve ça plutôt sympa, c'est des stickers, c'est qu'il y a, vous savez, le petit collant qui est juste derrière, regardez-moi ça, je trouve que c'est quand même plus agréable, donc il y avait celui-ci, j'ai pris, là ça me fait penser, oh, j'adore, puis un attrape-rêve, celui-ci ça me fait penser à libérer, délivrer, regardez celui-ci avec l'attrape-rêve, voilà. Et j'ai pris des gros Papa Noël. Ça habille vos colis, vos cadeaux, en fait, vraiment, tout. La boîte d'€1,79€, j'ai retrouvé. Le déo 1,85€. Du coup, voilà. Et vous avez plein de papiers cadeaux. Là, c'est l'anniversaire de ma soeur. Du coup, mon père voulait du papier cadeau. Il y en a plein et vraiment pas cher. Il y a même des boîtes. Enfin, il y a des décos. C'est vraiment... vraiment génial. Action, mais c'est... C'est top, quoi. Je suis désespérée parce que, bon...
Je passerai ma vie dedans. Il y a toujours, toujours une broutille à acheter, toujours. Mais en plus, vous voyez, là, ce que j'ai là, c'est que c'est utile en plus. C'est pas acheter pour garder. Non, c'est vraiment utile. Je vais vous montrer là mon truc que j'ai derrière, que j'ai pris à Action. Celui-ci, je vous l'ai présenté dans lundi, viens boire un café avec moi. Mais c'est un truc vraiment génial. Vous le posez, il prend toutes les formes, sur le vélo, n'importe où. Vous mettez votre téléphone là, et puis nickel. Moi, ça m'arrive, là, je le pose, et puis du coup, j'ai regardé une vidéo, parce que quand je travaille sur mon ordinateur, bon, j'ai ma tablette aussi, mais bon, là, elle est de l'autre côté, et ben je mets mon téléphone dessus, c'est posé, et puis je regarde la vidéo ou autre dessus, et je trouve ça plutôt génial. Et puis même, on peut le remettre comme ça. Ça peut faire comme une perche, et puis ben voilà, quoi, c'est assez sympa. Bon, moi j'en ai une autre utilisation, mais on peut trouver une utilisation. Je me souviens plus combien je l'avais payé, mais c'est vraiment pas cher du tout. Voilà, j'espère que ce petit haul, eh ben, vous aura plu, vous donnera des idées. En tout cas, si je vous présente, c'est que vous me le demandez de plus en plus. Et moi, j'adore aussi ben, vous montrer ce que je prends, parce que ça peut vraiment donner des idées. Et j'aime bien regarder justement ces vidéos-là, parce que ben, ça donne des idées. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo, smile and zen.